D'état raté, le gouvernement, M. Mbosso et Mme Hamida Kamere se sont exprimés. Voici la suite des actualités. Les assaillants ont été interrogés. Leur résidence a été perquisitionnée par les FRDC. Leur QG a été à Lupen. Quelques tenues militaires ont été trouvées. Il s'agit d'un espace de loisirs appelé chez Momo, un bar qui reçoit des gens. Mais à l'intérieur des appartements, Christian Malanga préparait déjà son coup. Son fils aurait la vingtaine d'âge. Il serait père d'un enfant. Il a l'habitude de gaspiller, de faire du tapage avec de l'argent sur les réseaux sociaux. Christian Malanga, qui a perdu la vie, a laissé une femme et plusieurs enfants. La MONUSCO, la SADEC et l'État congolais ont condamné cet acte. La sécurité a été renforcée sur l'étendue de la capitale ainsi que dans les institutions de la République. Le président Mbosso a condamné la tentative du coup d'État sans parler de l'attaque qu'a subi l'honorable Vital Kamerhe alors qu'il est député national et pressenti prochain président de l'Assemblée nationale. L'épouse de Vital Kamerhe, Madame Hamida, s'est exprimée hier. Elle a déclaré que sa famille a été sauvée grâce à Dieu. Hier soir, des coups de feu ont retenti vers le palais de marbre. Jusqu'à présent, on n'en sait pas plus. Coup d'État raté, le gouvernement, M. Mbosso et Mme Hamida Kamerhe se sont exprimés. Voici la suite des actualités. Les assaillants ont été interrogés. Leur résidence a été perquisitionnée par les FRDC. Leur QG a été à Lupen. Quelques tenues militaires ont été trouvées. Il s'agit d'un espace de loisirs appelé chez Momo, un bar qui reçoit des gens. Mais à l'intérieur des appartements, Christian Malanga préparait déjà son coup. Son fils aurait la vingtaine d'âge. Il serait père d'un enfant. Il a l'habitude de gaspiller, de faire du tapage avec de l'argent sur les réseaux sociaux. Christian Malanga, qui a perdu la vie, a laissé une femme et plusieurs enfants. La MONUSCO, la SADEC et l'État congolais ont condamné cet acte. La sécurité a été renforcée sur l'étendue de la capitale ainsi que dans les institutions de la République. Le président Mbosso a condamné la tentative du coup d'État sans parler de l'attaque qu'a subi l'honorable Vital Kamerhe alors qu'il est député national et pressenti prochain président de l'Assemblée nationale. L'épouse de Vital Kamerhe, Madame Hamida, s'est exprimée hier. Elle a déclaré que sa famille a été sauvée grâce à Dieu. Hier soir, des coups de feu ont retenti vers le palais de marbre. Jusqu'à présent, on n'en sait pas plus.